Hello everyone, welcome to BGS, Binge Gaming Sessions. BGS number 20 with Double Tunnel. It's now. Let's go. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait péter le système qui raffinait les âmes pour fabriquer de l'argent. L'argent and energy. C'était un gros mécanisme futuro-gothique. Qui était attaché à des chaînes et tout, et en fait il fallait détruire une tour, arriver au sommet, qui était retenu par deux titans démons, des énormes démons. On pétait les chaînes et paf, le moteur, là, leur truc, il tombait dans le vide, boum, ça fait un flux d'énergie, on est arrivé directement où? Où ça? Sur Ordak, messieurs dames. Sur le territoire des makers. La canne maker est pas loin. Et apparemment, selon Samuel Hayden, elle veut réveiller l'icône. L'icône. Du péché. Regardez-moi ce flux. Plus ou moins des démons. Qu'est-ce qui va se passer? On s'y prépare! On dirait un élevé de vitesse. C'est elle? Magnifique, n'est-ce pas? La canne maker n'est plus loin. Nous devons l'arrêter avant qu'elle n'achève le rituel et qu'elle prenne le contrôle total de l'icône du péché. L'icône du péché. Je sais même pas ce que c'est. Ils arrivent à faire pousser des arbres quand même. Il y a des feuilles. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Donc c'est sur des ruines, une astéroïde, une planète, je sais pas quoi. Il y a un champ de gravité quand même, pour protection. Et en fait on est au milieu de l'espace, on voit les planètes au loin, un truc disloqué. Donc ils survivent là-dedans eux. C'est quoi, c'est un portail? Je vous laisse admirer les statues. Les Can Maker. C'est beau. C'est très... C'est bizarre, c'est une technologie alien, mais qui fait penser un peu au christianisme. On regarde bien, les vaisseaux c'est des croix. C'est très étrange comme style. Ils sont très avancés, mais ils veulent nous raffiner. Et on a stoppé l'alimentation directe. L'alimentation a été stoppée, et des arbres partout. C'est un peu comme le paradis au final. Il y a de la roche, c'est pas très logique mais c'est sympa quand même. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait du bonus. Est-ce qu'il y a des bêtes? Il n'y a pas de bêtes. C'est très bizarre, il y a de la roche. Ouais. Ils sont incrustés dedans. Oh, bon là, il n'y a rien. Et les petits arbres, les arbres rouges, les arbres du péché. Donc les vaisseaux se déplacent. Il faudra qu'on aille par là. Du coup, ça fonctionne pas. D'accord, on va voir si ça marche. Ouais, on s'est raté. Oh mais non, mais j'ai encore raté. Je suis pas doué. Ouais, désolé. Hein. C'est des chants, on entend une voix féminine. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc on est vraiment au pays d'Ordak. Et avec des statues de la canne maker ou sont tous la même tête? Oh non, j'ai raté. Ne dis pas que je recommence. Oh non! Ah, le CPU! Je vais pas y arriver. Mais non, mais non, mais non, mais non!
une blague. Ah, merci, c'est gentil. Ah, il y a de l'énergie là, oui. En fait, c'est un générateur de, ouais, de boucliers. Ils ont besoin d'énergie pour vivre, tu m'étonnes. Ils ont plus de boucliers, ils crèvent, c'est ça l'histoire? C'est là qu'il faut. Quelle ambiance de dingue. Mais regardez-moi ça! Travaille les textures, c'est propre. La roche, les petits effets, regardez. C'est stressant et beau à la fois. On est chaud. Alors si je comprends bien, on vient de là, on a fait tout ça. On est revenu par ici. Y a pas des petits bonus, hein? Des petits biscuits? Spécial dédicace? Hein? 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 C'est un jeu aux petits oignons, j'ai envie de dire. Celui qui regardera la vidéo comprendra. C'est du beau travail. Direction artistique de malade. Franchement, je pèse mes mots. Mais c'est pas très original, j'ai déjà vu ça. Vous avez déjà vu un monde comme ça, aussi beau, aussi propre, qui tourne, qui est fluide, des effets lumineux? C'est impressionnant. Les software, ils sont pas de nous. Ah, ça sent l'arène. Ça sert à quoi? Ah, si ça marche. C'est un peu le paradis. Et ça ressemble beaucoup à Mass Effect. La cité, là, le conseil. Le conseil, c'est ça. C'est des technologiquement, puis la technologie, visuellement, et en fait des petits arbres pour décorer. C'est un peu le même thème. Ils ont dû s'inspirer parce que ça ressemble beaucoup, je trouve. Ça, c'est un des générateurs. Ça, c'est la carte. D'accord. Ah, on n'est pas rendu. J'ai du jus encore? Non, j'en ai plus. J'ai du jus. Mais il est bizarre ce mec. Oui, mais je parle mon langage. On vient de par là, on est passé là. Attention, pas tomber. C'est magnifique. C'est le Gothi, messieurs, dames. Avec ses petites feuilles. Et donc, ils ont du ménage à faire, hein, les gars. Là. La Calmaker. Ah, c'est une. Non, c'est un autre visuel. Bienvenue, Seraph. J'ai remis l'armure de base, parce que je suis fan de l'armure de base, même si l'armure originale est sympa. Ah voilà, l'icône. Ils s'y ressemblent tous. Tu n'arrêteras pas la procession. Ah mais c'est vraiment ça en plus. L'icône du péché, en fait, c'est un ennemi dans Doom. Ou non, c'est dans Quake. C'est dans Quake qu'on voit cette tête-là, il me semble. Ou alors non, c'est dans Doom. Excusez-moi, Quake et Doom, le premier et le reste se ressemblent. C'est pour ça. Il est réveillé. Ah oui, il est réveillé. Et il est démoniaque. Ah, il les consume. Technologiquement méchant. C'est... Ouais. Oulala. Les gars, on va tomber où là?
Il y a des démons ici aussi. Tu te fais un peu de nous, là, les gars. Ah, et un démon renforcé. Et là. Viens, mon coco. Allez, hop. J'ai peut-être pas au max l'énergie. On va donc faire goûter. Elle va se faire le plein. Mais attendez, c'est moi ou il a réussi à m'éviter mon coup, lui? Optimiser mes armes. Parce que là, c'est quand même plus puissant qu'avant. Ouais, je vais tomber. Forcément. Ce serait pas drôle autrement. Drôle de démon massif. Ça je piche pas parce que c'est des. C'est juste des aides technologiques normalement. Apparemment, ouais, c'est pas des démons, mais d'accord. Ah, mais je vais me faire tuer de toute façon. J'aurais un. Je vais me faire défoncer. C'était chaud quoi. Oh, franchement, j'ai optimisé mes armes. Là. Ça m'a pris un peu de temps à régler, mais. Mais je suis quand même plus efficace. Bon, comment on va là-bas? Faut aller là-bas. D'accord. Quand même plus simple une fois qu'on a fait tout le reste du jeu. Ils ont quand même les mêmes que. Ah mais j'ai pas réussi. Bon alors ça veut dire que c'est pas ça. Ah j'ai réussi. Ouf, c'était chaud hein. Donc il retenait l'icône de... du péché. C'était chaud les gars là. C'est chaud chaud les patates. Alors faut qu'on saute là pour rejoindre là-bas. Voilà. Bah zut alors je peux nettoyer. Il y a de l'armure. Vous savez ce que ça veut dire? S'il y a de l'armure, il y a de l'espoir. Non, s'il y a de l'armure, ça veut dire qu'on va avoir du fight. Comment faire là? Pas ça. Affronter l'icône du péché, messieurs dames.
Comment ça? Comment ça, hors ligne? Je suis pas hors ligne. C'est bizarre qu'il m'a fait ça. Il me dit je suis hors ligne, mais je suis pas hors ligne. Je suis hors ligne. Je suis pas hors ligne. Mais je suis là, les gars! Bon alors. Faut faire tomber la statue. Ça veut dire qu'il faut avoir une sacrée hauteur. Ouais, il faut un sacré hauteur. Alors le problème c'est que je sais pas par où il faut aller. Il faut une hauteur de ça. Parce qu'à mon avis, si on la fait tomber, il se passe quelque chose. Comment on fait pour atteindre? Ouais, il faut être sacrément haut. Ah! Ça doit être ça. Mais il est bête! Bah hé, les gars! Je fais ce que je suis capable de faire. Ils sont pas complexes, les. Elles sont pas complexes. Les énigmes. Non, mais elles sont pas complexes, si, elles sont complexes pour moi. Ah non, j'ai raté. Oh, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est complexe, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, mais en fait, faut analyser l'environnement, mais quand même. C'est passé quoi? Ah, faut juste, c'est juste pour accéder quoi en fait. Ces gravures bizarres. Ah, raté, raté, raté. Ouh, de l'enfer! Oh, tout depuis le début, non. Ne stresse pas cette petite musique, parce que moi aussi. Ah, ça me saoule, ça. Leur phase de plateforme. Mais non! Est-ce que je vais y arriver? Donc pour défoncer du démon, il n'y a pas de problème. Faut faire en fait, c'est pas ça, c'est double dash et après on fonce. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Double dash. Ah mais non! Ah mais ça me saoule! Oh, leur phase de plateforme moisie. Je vais perdre toute ma vie juste pourquoi? Ah, phase de plateforme. Ah d'accord. Peut-être que je suis trop haut. Ah donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Y'a personne, bizarre. Faut monter, on monte par où? Là. C'est usé. Y a un démon à nettoyer. Attendez, est-ce que j'ai du jus? Non, j'ai pas de jus. Donc il faudra retrouver le truc de la bestiole qui génère les démons là.
Où est-ce qu'il est? Ah bah c'était juste un... J'ai du mal à viser la tête. Oh là là, il nous saoule. Oh, il nous saoule. Voilà, j'en doutais que je mourrais, ça se... Ah, mais ils nous saoulent avec leur démon, merde. Eh, mais j'ai vraiment perdu la connexion. Putain, c'est quoi cette histoire? Bah, attendez, je vais checker quand même, j'ai un problème internet apparemment. Quand même très con parce que avec leur sécurité là du coup on est obligé d'être connecté à internet. Voilà, ça c'est les défauts de Steam et de Bethesda.net parce que vous voyez il suffit qu'il y ait une coupure internet et ça déconne. Bizarre. Pourtant j'ai bien checké, tout fonctionne. Je ne sais pas. Ouais, j'aime la mort. Faut trouver. Que t'es par là. Et voilà. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre cette histoire, mon gars. C'est bon ça. Ah, c'est plus efficace comme ça. Ah, d'accord, il y a un truc renforcé là. Mais laisse-moi passer! Mais il est con lui! Oh, mais je vais pas recommencer 50 fois. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On est rendu à 25 minutes. On a eu une petite coupure, vous inquiétez pas, tout fonctionne. Donc, c'était le monde d'Urdak. Donc, je pense que on va continuer dans Urdak. Et à la fin, on va tomber sur la Can Maker qui va fusionner ou je sais pas quoi avec l'icône du péché. On verra ça. Allez, à bientôt sur BGS! Binge Gaming Sessions, number 20. Ciao, ciao.